Good morgen, allez, Yidan les sous aujourd'hui le Lunishmat Dov Ben Yudit et Vataraman Ben Chedva, Chayester, Bat Miriam et Yitzhak Peres Ben Fortuna, si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat Perek Yud, Mishnah Gimel, Hamotzi Ben Bimino, Ben Bismolo, Betoch Cheko, O Al Ketefo Chayav, Sheken Masa Ben Ekehat, Kil Achar Yado, Beraglo, Befiv Uvemar Peko, Beozno Vis Aro, Ubefundato, Ufia Lemata, Ben pundato le chaluko, ubisfat chaluko, bemin alo, besandalo, patour, shelo hotzi, kedrein chamotzin. Vous avez déjà constaté que la Mishnah, elle est séparée en deux parties. Une partie qui va me dire chayav, et une partie qui va me dire patour. Concrètement, on va s'intéresser dans notre Mishnah à définir, à préciser, la manière de porter la chose, de transporter la chose lorsqu'on sort dans le Reshut Arabim. De manière générale, une règle importante qu'on trouve dans toutes les Hilchot Shabbat, c'est de faire les choses de manière conventionnelle et pas de manière bizarre. On aura l'occasion de découvrir, par exemple, celui qui va, un gaucher, un droitier, vous êtes droitier, donc, un droitier qui va se mettre à écrire de la gauche. Il ne va pas être hayav sur le fait qu'il écrit parce qu'il n'écrive pas de manière conventionnelle. Il ne sait pas écrire avec la main, il écrit tout de travers. Et ainsi de suite pour plein de halakhot. Pour l'interdit de porter, c'est ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, définir si tu portes de la sorte ou si tu portes de la sorte, est-ce que ça s'appelle que tu transportes de manière conventionnelle, classique, et donc tu es chayav, ou bien tu fais quelque chose de bizarre, donc de toute façon tu es pas tour, parce que ça s'appelle que tu transportes kil achar yad. Vous avez déjà entendu cette expression? L'origine de cette expression, elle va de notre Mishnah, comme ce qu'on va voir tout de suite, et on commence d'abord. Hamotzi ben bimino ben bismolo, ce qui va transporter dans sa main droite ou dans sa main gauche. Betoch cheko, sous le bras, sous l'aisselle, il bloque comme ça. O al ketefo, ou bien il le met sur son épaule. Chayav, il est condamnable. Pourquoi? Sheken Masa Bene Kehat, car tel était l'usage des enfants de Kehat de porter. C'est-à-dire, c'est qui les enfants de Kehat? Il y avait, on l'a lu dans les parashot de Bamidbar et ensuite Nassau, il y avait Gershon Kehat Omerari, trois enfants de Lévi initialement, qui ont formé trois groupes de familles chez les Léviim. Que ensuite, le travail des Léviim, leur fonction, une des fonctions, c'était de transporter le Mishkan quand il le démontait. Quand ils me le demandaient, après les Lévim, ils venaient, ils devaient porter, transporter transporter tout le matériel qu'il y avait, le Oel Moed, les murs, c'était, d'accord, il y avait tout un, la Torah a tout précisé, fin de Bamidbar et début de Nassau, et maintenant le travail de Bnei Kehat, eux, ouais, je sais, si vous avez attention, qu'il y avait des Agalot, il y avait des Lévim qui avaient des charrettes pour transporter pour transporter leur responsabilité, sauf les Bnei Kehat. La famille de Kehat, eux, ils n'avaient pas de charrette, ils devaient tout porter à la main, parce que c'est eux qui transportaient les ustensiles du Mishkan. En l'occurrence, le Aaron Abrit, il y avait le Misbeach Hazav, Misbeach Haktoret, il y avait la Menorah, qu'est-ce que j'ai pas dit, le Shulchan. D'accord? Ils transportaient ça, donc ils devaient le transporter à la main. Et maintenant, chacun, il avait... Pour le transport des ustensiles et de tout ça, eh bien, ils utilisaient parfois la main droite, parfois la main gauche, l'épaule ou encore, ils le mettaient comme ça sous le bras, sous l'aisselle. Si ça vous intéresse, il y a un très beau rachash qui rapporte un Yerushalmi, qu'en fait, non, on fait allusion en fait à Elazar ben Aaron à Kohen, il y a un pasouk, c'était déduit comme ça dans le pasouk, que Elazar ben Aaron, Elazar spécialement lui, à part porter les ustensiles qui étaient le travail des Lévim, il fallait aussi transporter concrètement de l'huile, des... Alors justement, alors il y a un Yerushalmi qui nous dit comme ça, que Elazar ben Aaron, il portait en même temps Shemen Amaor, l'huile pour allumer la menorah, ou Ktoret Asamim, la Ktoret, l'encens, c'est plus les ustensiles. Les ustensiles, c'est les Bnei Lévi. Lui, Aaron, il devait prendre le Shemen Amaor, la Ktoret Asamim, ou Mincha Tatamid, la Mincha, la solette, comment s'appelle, la semoule, pour faire la mincha du tamid, veshemen amishra, et même aussi l'huile d'onction. D'accord? Alors, et le Yerushalmi précise comment il transportait ça. Shemen echad bimin, veshemen echad bismol. Il y a deux huiles, une qui porte avec la main droite, une qui porte avec la main gauche. Veaktoret becheko, et l'actoret il la mettait sous le bras calé sous l'aisselle, et il nous manque le Uvachavitin Bakatef. Et la Minchat Chavitin, qui est en fait la Minchat Tatamid, je pense,
qui était donc une toilette, il la mettait lui, il la mettait cette fois-ci sur l'épaule. Donc en fait, il s'avère qu'il utilisait ses mains et sous les selles et la tête, et plutôt et l'épaule, donc on transgresse l'interdit si on transporte de la sorte. Parce que c'est des manières conventionnelles de transporter des choses, d'accord? À la différence de qu'il achar yado, sur le dos de la main. C'est en fait, au lieu de faire la melacha, normalement il a fait avec le dos de la main. Au lieu de transporter comme ça, il met la main et il pose dessus. Il n'y a personne qui marche comme ça dans la rue. Tu fais ça de la sorte, tu transgresses plus l'interdit Shabbat parce que tu fonctionnes de manière non conventionnelle. Ah, il y a une très belle histoire. J'aime la raconter, une histoire de Rav Raïkine, Zatzal. Rav Raïkine, quand il était dans les camps, alors il devait travailler le Shabbat aussi. Il était obligé de travailler. Et puis, il avait demandé à un autre juif qu'ils vont transporter ensemble des pierres, des briques. Il devait, je ne sais pas ce qu'il devait transporter, quelque chose qu'il devait normalement prendre chacun un, et il le transportait les deux ensemble. Comme ça, c'est de manière non conventionnelle, c'est même autre chose, encore, ça s'appelle Shneim Shasawa, on aura l'occasion de découvrir, deux qui travaillent ensemble. Et une fois, il y a un nazi qui s'est énervé, il lui a dit, hey, c'est pas du travail! Il était tout content, il a dit, ah, c'est pas du travail, c'est pas une melacha, c'est parfait, c'est pas une melacha, c'est que je transgresse pas le Shabbat. D'accord? Beraglo, donc ça c'est qu'il a charyad, c'est avec le dos de la main. Beraglo, avec les pieds, il transporte en soulevant avec son pied. Befif, dans la bouche. Bemarpeko, dans la bouche, quelque chose qui peut pas se manger, parce qu'Alain Gemara nous dit explicitement que si on transporte dans la bouche quelque chose qui se mange, alors on transgresse l'interdit de Shabbat. Ouais, imaginez, je suis assis à table, je mets quelque chose dans la bouche. Je sors dehors avec ce que j'ai dans la bouche, une fois que je rentre dans la voie publique, j'ai l'aval. Il y a eu Akira, Ola, Otsaa, Veanacha. D'accord? Donc là, il faut dire qu'il transporte dans la bouche. Il a mis une clé dans la bouche, par exemple. C'est pas l'usage. Chez les gens normaux. Ou Bemarpeko. Marpeko, c'est avec son. Alors le Marpek, le Barthénois, il nous explique, attention, c'est la pliure du. En théorie, le Marpek, c'est le coude. Mais là, c'est la pliure, en fait, du. C'est la pliure du. D'accord, il le bloque comme ça, il transporte, il met un stylo ici par exemple, et il marche avec le bras comme ça, donc vous imaginez bien, c'est pas l'usage de transporter de la sorte. Donc on était dans le Marpeko, on a Beozno dans son oreille, quelque chose de petit, il le met comme ça, il le casse dans l'oreille, Becearo dans les cheveux, quelque chose qui camoute dans ses cheveux, ou Befundato ou Pia Lemata. Alors là, c'est un peu plus compliqué à traduire, c'est un petit peu une tannée à comprendre précisément le cas. Le Bartonnet propose deux solutions. On va prendre le premier déjà. Un ceinturon. J'imagine qu'il y a dans les ceinturons, il y avait la possibilité. Il a sûrement des petits trous pour faire comme des petites poches. Ce qui se passe, c'est qu'il a mis le ceinturon à l'envers. Ou pia les mata. L'ouverture, elle est en dessous. C'est-à-dire qu'en réalité, vous imaginez bien, il y a la poche, vous la remplissez. Mais si vous retournez la poche, ben ça se renverse. Ce qui se passe, c'est que là, il a un ceinturon tellement bien fixé, tellement serré sur lui, que ça tombe pas, donc il a mis quelque chose dans la poche, mais il a mis le ceinturon à l'envers. D'accord, il transporte de la sorte, il ne transgresse pas l'interdit de Shabbat de nouveau, parce que c'est pas conventionnel. Même si concrètement, ça tombe pas de la sorte, mais personne ne marche avec un ceinturon de pareil, donc tu ne transgresses plus l'interdit. D'accord? Et on continue, Befundato, on était là, ou Ben... Donc on a dit, ou Befundato, ou Pia Lemata, ça se lit ensemble, attention. C'est que, donc, son ceinturon avec l'ouverture à l'envers, ou encore Ben, Pundato, les Haloukou, bien, il le case entre eux. Son ceinturon et son chalouk, et son manteau, et sa tunique. Alors, donc en fait, ça pourrait correspondre un petit peu entre, imaginez vous mettez une pièce entre votre ceinture et votre pantalon. C'est le même principe. De manière générale, on ne fait pas les choses précieuses, on ne les garde pas de la sorte, parce que ça peut facilement arriver que vous allez faire un faux mouvement et ça va tomber, vous n'allez pas faire attention, donc vous ne gardez pas de la sorte. Donc c'est pas une manière de transporter, parce que vous risquez de perdre. Donc, encore maintenant, bisfat haluko, ou encore sur le revers de sa tunique. C'est-à-dire, il a sa tunique qui est repliée sur elle-même, elle est cousue, il y a la petite ouverture, et puis il va glisser là-bas une petite pièce, une clé, peu importe. De nouveau, c'est pas conventionnel. Ou bemin halo, ou encore il va le mettre dans sa chaussure, ou besandalo, il va le mettre dans sa sandale. Dans tous ces cas de figure, la Mishnah m'enseigne Patour, il sera dispensé d'apporter un korban. Pourquoi ? Chez le Hotsi, qui est derrière Hamotsiin, car il n'a pas transporté comme il est d'usage de transporter de manière conventionnelle, classique, normale. D'accord ? Il a fait quelque chose de bizarre, donc il manque, c'est plus une melacha comme il faut. Donc il a plus transgressé l'interdit Minatora. Entre parenthèses, quand on a besoin de faire toutes sortes d'interdits, même pour Pikuach Nefesh, et que des fois il faut transgresser, c'est nécessaire. On préfère, si possible,
On préfère, si possible, justement, de fonctionner de la sorte, de fonctionner avec, à l'envers, dans la mesure du possible. Imaginez, vous avez un appareil d'inhalation pour un bébé allumé que vous n'avez pas programmé avant Shabbat avec une minuterie, pour X raisons. D'accord? Maintenant, vous devez l'allumer Shabbat. Vous êtes obligé de faire une inhalation au petit, sinon ça peut devenir dangereux. Alors, vous devez allumer, ben vous allumez avec le coude. C'est le même principe, on fait de manière non conventionnelle, d'accord? Dans la mesure du possible, bien sûr. Ça m'est arrivé une fois un accouchement pendant Shabbat, et j'ai essayé de composer le numéro de téléphone, j'avais déjà tout préparé avant Shabbat, j'avais déjà fait le numéro de téléphone dans le truc, comme ça j'ai juste appuyé sur un seul bouton, et j'avais essayé d'appuyer avec un bouton, et je suis tombé avec un... De l'autre côté, il y avait un ami de Jérusalem-Est, qui était de l'autre côté, qui ne comprenait rien. À la fin, j'en ai marre, j'ai parlé franchement, il fallait bien avancer, parce que les contractions avaient activé, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.